Avant que la vidéo ne commence, j'ai deux choses à te dire. Alors, la première, c'est que j'ai un Discord. Voilà, lien en description, n'hésite pas à rejoindre. Et la deuxième chose, c'est que je stream sur Twitch de façon régulière tous les vendredis de 18h à 21h. Donc, n'hésite pas à passer, ça ferait super plaisir. Allez, bon visionnage. Et salut tout le monde les amis, c'est PlayerGamer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo invocation sur Sao Oub. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé en invocation, pour être honnête. Donc aujourd'hui les gens, le portail de l'IFA limité, magnifique, clairement magnifique. Donc en toute chose les gens, si la vidéo vous plaît à la fin, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit commentaire. Ça soutiendra énormément la vidéo et la chaîne, donc je compte sur vous les gens. Merci à tous ceux qui le feront. Bref, on est parti. Le portail de l'IFA limité neutre, incroyable. Regardez-moi cette dinguerie, regardez-moi ce level 100, incroyable. Ah, et surtout en plus, j'espère que vous n'avez pas skippé l'aspect de cette l'IFA, mais elle est exceptionnelle, cette spé. Non, vraiment, elle est magnifique. J'espère la drop pour vous la faire voir, mais vraiment, elle est magnifique. Donc bref, voilà, hein, le famoso l'IFA, une grande fleur flottant, une nuit d'été. On va la tenter. Bon, écoute, alors à première vue, on se dit, putain, il y a nos matchs, 2600 cubes, tu vois, il y a nos matchs, mais... Bah le problème c'est que généralement, hein, quand t'as autant de cubes, enfin quand t'as autant de monnaie dans un gacha, ça se passe pas très bien. Non vraiment ça se passe pas très bien parce que souvent il y a ce qu'on appelle El Famoso Karma qui arrive. Parce que justement tu te dis ouais tranquille à l'aise ça va se faire tu vois. Et finalement non. Donc voilà je préfère vous le dire donc bah, j'espère dropper l'IFA, ça serait cool, ça serait très cool. Après, step 5, step 7, on verra, mais voilà, ce serait très cool de l'avoir. Et sinon, à part ça, bah, à part ça, en vrai, tout le portail est ridicule, hein. Ah bah, tout le portail, j'ai, et en plus, c'est nul. Genre, Berkoulis ou quoi, Renry, Ishkan, ouais. Ishkan à la limite, tu vois, mais je l'ai déjà, donc Osef. Et après, le reste, bah, rien de nouveau, mais c'est vrai qu'il y a des unités encore hors bannière qui sont intéressantes, hein. Genre, l'Aidis Bonbon, voilà, ce genre de perso, bah, tu vois, genre, l'Aidis là, par exemple. Là, et ils disent bon, pourquoi pas, tu vois. Allez, let's go. Croisez doigts, le step 1, c'est parti. L'IFA Waifux. Ça serait magnifique de la choper relativement tôt pour tenter sinon. Ça serait vraiment bien, pour être honnête. Toucher Chrome 11. Pour ce step 1. Le Saint step 1. Tout ou rien, ce step 1. Ah, putain, dommage. Ah, c'est du R2. Ah ouais, c'est du R2. Aïe, aïe, aïe. C'est du R2. Bon, ça va être rien sur le step 1, dommage. Et du coup, portail classique. Hein. C'est vrai que on n'en parle pas assez. Hein. Portail classique, portail douille, du coup. Hein, douille quand même de l'espace. Hein. Step 1 à 125, le step 2 à 250. Le step 3 à 125, non garanti. Step 4 et 5 à 250. Non, vraiment, ça fait mal. Vraiment, là, les steps font mal. Donc là, tu vois, avoir un sans anime comme ça, ça pique. Ça pique, ça pique. Le Igom. La Rosalia. Et bon, ça sera rien. De toute façon, ça c'est. Là, le step 1 est archi mort. Ok, step 1 de mort. Allez, step 2 peut-être. Là, step 2 du 250, ça fait mal. Hein. Là, on part sur du 250. Aïe, aïe, aïe. Ah, dommage, pas de toucher écran bleu. Aïe aïe aïe, pas de toucher écran bleu pour l'instant. Ah putain, encore du R2. Oh là là, on est encore sur un deuxième step qui pue la merde. Ah ouais, avec la porte en bronze, là rien du tout. Incroyable, rien du tout pour l'instant. Argo, Kibao. Oh, bon bah là, en vrai, là, si l'IFA tombe ici, c'est incroyable. Hein. Vraiment, ce serait exceptionnel parce que, genre, vraiment zéro anime quoi. Vraiment zéro anime, c'est, je crois, jamais arrivé, hein, honnêtement. C'est jamais arrivé, donc je pense que c'est encore mort. Mais là, triste, hein, pour le coup, là, deux steps. Deux steps, donc 375 cubes. Ça fait mal, en vrai. Pour absolument rien. Pour absolument rien. Bon, voilà, après, ça serait bien le step 5, tu vois. Voilà, step 5, ça serait bien.
C'est ingaranti, donc c'est pas garanti d'avoir l'IFA, donc voilà, si step 5 elle tombe, c'est mal, hein, quand même, on va pas se cacher, ça fait mal, c'est quand même 1000 cubes, mais bon, voilà quoi, je peux s'estimer heureux de pas avoir été défoncé plus que ça, on va dire. Parce que là, le problème, c'est que c'est du non garanti. Ah, toucher l'écran bronze encore. Là, step 3, là, les 3 steps qui se ressemblent de ouf. Oh! Oh, un 4! La Lifa, s'il te plaît. Oh, please. Première chance. Première chance. Argo, s'il te plaît. Oh, il faut de l'ascenseur. Alicia. Donc là, le perso peut apparaître n'importe quand, hein. Pas qu'à la fin. Alicia encore. Allez. Igom. Golcorosso, ah, le stress, le stress. Diavel. Oh, il faut de l'ascenseur. Ah là 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 là, putain, à la fin quoi. Alicia. Shaita. Non! On a échoué, putain. Ah non, on a échoué, Shaita. Non. Putain. Ah, oh, putain, doublon de Shaita de merde. Oh, on a échoué, les gens. Incroyable. Bon, let's go, hein, step 4. Ah, oh, putain, non. On pouvait clean le portail, quel dommage. Ah, toucher l'écran bronze encore, qui fait pas plaisir. Ah, R2 pour le step 4. De toute façon, step 4, c'est à chaque fois de la merde, hein. Honnêtement. Step 4, j'ai pas peur de le dire, c'est à chaque fois de la merde. Non, c'est vrai, mais à chaque fois, c'est à chier. Golcorosso. Ah, dégoûté, quoi, la Shaita. Ah, vraiment, le seum. En plus, le doublon ne sert à rien. Même le perso en elle-même, je trouve qu'il est déjà dépassé. Rosalia. Ah ouais, non, vraiment, full seum, quoi. Et là, un step 4, éclataxe, 250 cubes de perdu. Ah, tu vois, je vous avais dit, hein. Je vous avais dit, hein, combo portail douille, en plus j'ai plein de cubes. Ah oh, non, c'était sûr. C'était sûr. C'était sûr qu'on allait se faire un peu pull-up dans le jargon. Rosalia. Le Eugène. Et voilà, step 4 éclaté. Allez. Putain. Allez. Le step 5. Qui est techniquement la norme. Putain, faites que là, la Lifa tombe. Deuxième chance. S'il te plaît. Ok, toucher l'écran bleu. J'aurais bien aimé l'avoir avant, ça, tu vois. Ah, s'il te plaît, l'Alifa. Personne parle. Même si ça aurait été bien que l'Alifa parle. C'était magnifique. Agile. Putain, le stress. Le stress. Frenica. L'Orios. Perso à la fin du coup par contre. Rosalia. Perso à la fin. Nel. Le Kibao. Allez putain, s'il te plaît. Fais plaisir. Le Kehun. Igom. Allez, please. Rosalia. Oh, let's go. Let's go. Au step 5. Ah, regardez cette spé. Regardez. Regardez cette spé. Magnifique. Regardez-moi cette dingouze. Ah, elle est incroyable. Ah, la spé, elle est incroyable. Surtout la fin. Surtout la fin. Regardez la fin. Regardez. Regardez ça. Regardez. Regardez. Incroyable. Non, vraiment, insane. À mon sens, l'une des plus belles spé du jeu. Vraiment, là, c'est... Ah, je veux rien savoir. Regardez-moi la fin. Le feu d'artifice. Non, franchement, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Genre là, c'est beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop bien. Ah, c'est Fumax. C'est Fumax. Bon, allez. Les gens, on va tenter sinon. Bon, au moins le step 1, hein, déjà, pour commencer. Déjà. Commençons avec le petit step 1. D'ailleurs, l'Ulu Level 100, magnifique. Hein. Pareil pour l'IFA, hein. Magnifique aussi. L'Ulu Level 100, j'adore. Vraiment, j'adore. Les couleurs, c'est incroyable. Les couleurs, c'est beaucoup trop beau. Allez, let's go. Sinon, bah, portail pareil. Hein. Même portail.
Même portail, sauf qu'ils se sont dit, bah on va changer, on va mettre sinon. Mais sinon, c'est le même portail. Voilà. Allez, let's go. Step 1. Oh, si le step 1 peut régaler. S'il peut régaler, hein, comme faire un certain ranking neutre, rappelez-vous, hein, j'avais tenté. J'avais fait step 5, je crois, pour la Yuki. La Yuki Counter, là. La Yuki héros limité. Et après, j'avais tenté un step 1 sur Azuna et elle était tombée. C'était nymphe. Voilà, là, je pense que ça fera pas la même voix. Ah, le step 1 qui passe pas non plus. Ah non, mais incroyable. Les animations sont pauvres. Hein. Ouais, clairement là c'est. Aïe. Aïe aïe aïe. Junk. Frenica. Jink encore. D'ailleurs, si je me trompe pas, j'ai pas vu de write-up de la Sinon. Ça m'étonne un peu, mais ça me dit rien. Je crois pas avoir vu un write-up de cette Sinon. J'ai l'impression qu'il y en a pas. Argo. De toute façon, vous inquiétez pas, hein, je pourrais récupérer un peu de cubes. J'ai encore l'Ordinal Battle Farm et les events. Donc ça va aller. Mais du coup, j'essaierai de vous proposer, avant que le ranking s'en aille, un petit showcase de la Lifa, du coup. Parce que bien envie de vous en faire une. Ok, bon. Bah du coup, là, je sais pas. Est-ce que je tente là sinon? En vrai, je devrais, hein, je pense. C'est une limitée après tout. Bon, le perso après est pas. C'est pas The perso non plus, mais bon. Surtout que j'ai drop Lifa désormais. Mais ouais, non, ça va plutôt content. Mais elle m'aura coûté 5 steps, hein. Putain! Le prix de la waifu, j'imagine. Ah, ça, c'est hoche, hein. 5 steps. Ah, surtout, c'est con, quoi. Le. Putain, j'en ai 4000 en neutre. Le step 3 où j'ai drop Shaita Doulon. Ça, c'est. Tellement dommage. C'est tellement dommage. Bon, vous inquiétez pas, on va retenter, je pense. Ouais, on va retenter sinon. On va tenter. Allez, on va faire fumer un peu les cubes. Let's go, j'ai envie de dire. On va faire fumer du cube. Mais avant, on monte les fab. Mais waouh, c'est ouf les trucs d'XP que j'ai là en neutre. 2225, what the fuck. Je sais que Zandon dans chaque invocation, mais. What the fuck un peu. Waouh, tous les skills magiques qu'il y a. C'est moi ou il y en a un de plus encore? Genre, regarde-moi ça. Guard break. Lors d'un guard. Ah ouais! Ah, elle a un bonus. Hausse des dégâts de compétences lors d'un guard break. Ah, d'accord. Elle a un bonus. Lors d'un guard break. Donc, en gros, quand vous breakez le boss, elle a un bonus. D'accord. Alors, ça. Ok. Ok, je savais pas. Bon, du coup, je sais pas si la Lifa, je la montrerai 105, 120. En vrai, ça mériterait. Hein. Ah, franchement, ça mériterait. Allez, let's go, sinon. Step 2. J'aimerais, s'il vous plaît, ne pas aller au step 5. Ah, ça serait tellement bien. Parce que là, vraiment, là, rip mes queues. Hein. Si sinon, je peux aller... je peux l'avoir avant, ça serait magnifique. Non, c'est pas grave, l'objectif est déjà fait. Lifa, aller dans la box. Ça, c'est plus important. Ça, vraiment, c'est plus important. Oh. Mon Dieu, ce genre de multi éclatax, c'est terrible. Non, vraiment, c'est terrible. Alicia, Losalia. Aïe aïe aïe. Alicia encore. Bon, bah là, je pense, hein, entre nous, que ce step 2 est foiré. Bon, pareil, on va essayer de croire au step 3. Hein. Le step 3 a failli être payant, donc peut-être. Peut-être que cette fois, le step 3 sera fait. Mais en tout cas, si le step 3 ne passe pas, le step 4, vous pouvez le considérer déjà perdant. Je tiens à le dire. Ah, c'est sûr. Ah, le step 4, les gens, c'est vraiment une horreur à chaque fois, hein, pour moi. Pour moi, et je pense qu'à chaque fois, c'est une grosse douille, le step 4. Ah. Téléchargement long, peut-être. Ou gros fake. Ah, c'est charmant bon. Toucher l'écran bronze. Ah, putain, personne. Oh non, même pas un petit crépuscule, un petit nuit, je sais pas, genre, fais-nous vibrer, rien. Rien du tout. Rien du tout. Frenica. Diavel. Ouais, non, c'est rien du tout, c'est la bulle. Rah, fait chier. Hein. Vraiment fait chier, là. Ah, ces portails, là, c'est... Putain, ces portails où vraiment... Où c'est terrible, mais...
c'est douille sur douille. C'est incroyable. Regarde le peu de R4 que je drop. C'est incroyable. En autant de multi, quoi. C'est. Ah, c'est ouf. Non, en vrai, c'est ouf. C'est pour ça, les gens. Stackez bien. Stackez bien. Et ce qui est très important, c'est. Quand vous faites au-dessus d'un step 1, bah, dites-vous qu'il faut être prêt à aller au step 5. Voilà. Clairement, il faut se le dire. Très important. Bon, bah, on est en dessous des 1000. J'aurais gardé longtemps le au-dessus des 1000. Hein. J'aurais pu atteindre les 2000 quand même. Hein. C'est assez énorme. C'est assez incroyable. En même temps, on a enchaîné les non limités. Que je me suis fait un plaisir de skip. Donc voilà quoi. Ah oh, ouais. Non mais regarde ce step 4. Non mais frère, regarde-moi ça ce step 4. Non mais on skip. Ça sert à rien. Genre regarde-moi ce step 4. Allez, step 5. Plus qu'à croire que là sinon on passe. 600 cul. Les multi à 250, ça fond mais d'une puissance. Intersidéral. Allez, c'est parti les gens, le step 5, garantie. J'espère que sinon on va tomber. Comme l'IFA. Je crois que c'est elle. J'ai vu sinon, ça c'est sûr, mais j'espère que c'est elle. Parce que il y a d'autres sinon, tu vois. Donc j'ai un doute, j'ai un léger doute. Et je pense que c'est elle. Ça sent bon du moins, ça sent bon. Parce que je me rappelle plus de son Ilu 80, c'est ça qui est terrible. Alicia. Ouais d'ailleurs c'est marrant hein, quand on a le perso qui parle, on a les jambes coupées. Petit délire avec Montel. Il y a que Montel qui fait ça. Yavel. Alicia. Ah voilà, let's go ça. Bon, 5 steps tous les deux. Ce qui fait 2000 cubes. Ça fait mal. Ah vraiment là. 2000 cubes de dépenser pour deux persos, ouf. Ah, ça c'est hoche, hein. Vraiment c'est hoche, mais ah putain, ah ouais. Ah ouais, sinon aussi elle avait le Feather Fist. Ah c'est, mais gros, c'est magnifique. Non vraiment, c'est incroyable. C'est un énorme délire. Oh, c'est trop beau. Oh, double perso. Non. Mais si, petit doublon. Let's go. Ah, petit doublon. Ah, j'aurais préféré sur l'IFA. Ah là, vraiment, dommage. J'aurais préféré l'IFA. J'aurais préféré l'IFA WeFox, bien sûr, mais hop, oh, petit doublon. Mais ça, tu vois, ça fout quand même royalement le seum. Genre, incroyable. Genre, franchement, un double. Franchement, sinon, elle aurait pas pu tomber avant. Tu vois, juste comme ça. Aucun malaise, hein, mais juste comme ça. Ça aurait été vraiment cool. Ça aurait été archi cool. Mais au niveau des lunes. Ouais, 339. Après, j'en ai 1100, donc je pense qu'on va peut-être claquer quelques multicolores. Hein. Moi, je pense que honnêtement, hein, je vais partir sur un petit 120 de la Lifa hein, quand même. Hein, parce que je la trouve magnifique, cette Lifa. Hein. Je la trouve magnifique, surtout que c'est un perso dégâts continu, ça peut être intéressant. Non, en vrai, ça peut valoir le coup. Ça peut valoir le coup. Même si après, là, sinon, ça peut être pas mal aussi hein, avec son break stack. Hein, honnêtement, c'est pas mal aussi. Hein. En plus, petit doublon. Petit doublon de la sinon. Alors je sais pas si je peux monter à max. Ah ça va, j'ai encore assez. Ouf, j'avais peur. Parce que oh, mais maintenant avec les nouveaux persos, les gens, ça s'enlève à une vitesse. Vous avez même pas idée. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Ok, bah voilà, parfait. Les deux sont obtenus. Ouais, 2000 cubes, hein. 2 fois 5 steps. Ah, pas vernis en luck. Pas vernis. Après le petit doublon de sinon, on s'y attendait tous pas, effectivement. On s'y attendait tous pas, donc on va dire que c'est plutôt pas mal. Hein, mais ouais, vous connaissez ma position sur ça. Hein. À chaque fois, moi ce que je préfère, c'est dropper le perso tôt qu'un doublon, tu vois. Tu vois, genre un doublon dans la même ulti, honnêtement, j'ai envie de dire au jeu, mais tu sais, me le dropper par exemple le perso step 1 ou step 3, je prends, tu vois. Pas besoin de ce doublon, tu vois. Parce que après, attention, après, c'est un bon doublon. C'est vraiment un doublon pas dégueu, tu vois, c'est un doublon sympa. C'est un doublon sympa, hein. Je le rappelle. Hein. 3% de magie attaque neutre et 15% de crit. Donc en vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, on termine les gens. La vidéo sur... Tac. Sur acheter les armes, bien évidemment. Ah, on termine sur un petit bail d'armes. Ah, merde, je suis à fond. Mince. Je suis à fond.
Mais ouais, on termine sur un petit achat des armes. Les armes, ils sont pas dégueux, hein. Voilà, bon, je les achète parce que de 1, collecte, pourquoi pas. J'ai adopté un peu le réflexe. Pourquoi pas. Et de 2, mine de rien, c'est très accessible maintenant les armes. Hein. Maintenant, c'est très accessible parce que vous voyez le nombre d'échanges shorts que j'ai. C'est abusé, hein. Vraiment. Vraiment, là, n'importe quel free-to-play peut avoir autant d'échanges shorts que j'en ai. Hein. J'en ai 60. D'échangeurs, donc vraiment c'est un délire. C'est pour ça que du coup bah autant pas se priver quoi, autant pas se priver. Et en vrai je vous encourage même à acheter ces armes parce que bah de 1 sont bien et de 2 bah dans l'avenir si vous chopez des doublons au moins vous serez direct à 42, ça va être sympa tu vois. Même si bon ouais choper des doublons d'armes c'est un peu bah viser ça c'est un peu chaud parce qu'en fait le truc ce qui est extrêmement drôle ah ouais par contre j'espère que je vais ramasser. Ce qui est extrêmement drôle, c'est que c'est... En fait, c'est un peu... Il y a le même cas dans les armes, dans les portails d'armes, il y a le même cas que les persos, donc en gros, il y a toutes les armes. Voilà. Du Kirito V1 à la dernière arme, quoi. C'est pareil. Et du coup, bah, relou. Mais après, les armes, c'est bien, c'est que ça périsse moins, en fait. Ça périme moins que les persos. Donc, on va dire que c'est moins chiant. Parce que regardez, en fait, le truc, ce qui est bien, c'est que là, la nouvelle arme de l'IFA, 6773, après, j'ai celle-là, tu vois, 7083. 7200 6600. Ah tu vois celui-là était pas loin. Celui-là était pas loin. Étonnant parce que c'est quand même Utilidator, une arme qui date. Étonnant. Vraiment là je suis un peu étonné. Il y a celle-là aussi ah c'est une arme magique ah non. Non je crois pas que c'est une arme magique ça. Épée de la victoire. Ouais ça en a tout l'air hein. 7300 hein. Ça en a tout l'air. Mais voilà quoi, l'arme de l'IFA est bien meilleure pour le coup. Donc nickel. Bon, du coup, niveau équipement, on va lui mettre ça. Mais voilà, bah du coup, c'est parfait. Comme ça, je vous ferai, je pense, hein, très certainement, je vais me chauffer, un double showcase. Je vous ferai un double showcase, sinon l'IFA, et on verra ce que ça donne. Et en plus, comme ça, on testera l'Active Link des deux. Donc, ce sera plutôt pas mal. Mais j'en aurais sans doute monté une avant. Bon, après, l'arc de Sinon, par contre, l'arc de Sinon, il est obligatoire, hein, je vous le dis. Il est vraiment obligatoire parce que bah, le problème, c'est que magique neutre, voilà quoi. Et magique tout court... Aucune. Celle-là, ouais. Ouais, celle-là de Sinon, ouais. Mais c'est encore loin, tu vois. 7008. L'arc de Sinon est vraiment bien. Hein. L'arc de Sinon est vraiment bien. Après, il y a une armure neutre. Bon, c'est une armure physique, malheureusement. Mais non, c'est bien. C'est bien. Non, je regrette pas. Enfin, voilà. Bah, écoutez, voilà, nickel. Ma team est faite. Donc, parfait. On testera tout ça. Donc, j'espère que ça vous aura plu, cette longue vidéo invocation. Ça fait longtemps, donc voilà, je voulais faire durer un peu le plaisir. Bon, là, je vous rends la luck, les gens. J'espère que vous aurez eu autant de chance que moi, voire même plus de chance. Et bah du coup voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit commentaire. Ça soutiendra énormément la vidéo et la chaîne. Donc je compte sur vous les gens. Merci à tous ceux qui le feront. Et à très vite pour d'autres vidéos. Allez, ciao ciao, bye tout le monde. Shot and then I grab it.